dit Moudil, bonjour. Bonjour Soraya. Énergie pour commencer donc le développement de l'hydrogène vert en projet. Et quatre chantiers pour la production d'hydrogène vert devraient être lancés avant la fin de l'année 2024. L'annonce a été faite hier par le directeur des études et de la prospective au ministère de l'énergie, Miloud Mdjeled. Trois de ces projets pilotes sont en cours de développement par le groupe Sonatrach, alors que le quatrième projet est en attente de réalisation dans le cadre d'un partenariat avec les Allemands. L'objectif de ces projet d'introduire l'utilisation de l'hydrogène vert dans le fonctionnement des turbines à gaz et de le tester dans le transport par. Pipeline. La loi sur euh, le foncier économique en débat au Conseil de la Nation, le ministre des Finances annonce de nouvelles décisions. Une agence nationale notamment du foncier urbain, elle verra bientôt le jour. Elle aura entre autres à dégager des assiettes foncières non utilisables dans les projets d'infrastructure pour les utiliser dans des projets économiques. L'annonce a été faite en marge de la présentation du projet de loi sur le foncier économique. Le texte est en débat au Conseil de la Nation. Il apporte des nouveautés. Le texte prévoit que le foncier économique soit du ressort ex exclusif de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement via son guichet unique. L'Agence est tenue de mettre toutes les informations relatives à l'offre foncière à disposition des investisseurs à travers la plateforme numérique. L'aménagement des assiettes foncières euh, sera à la charge des agences publiques spécialisées dans le foncier industriel, touristique et urbain. Enfin, les textes réglementaires mentionnés. Dans le texte de loi, euh, sont élaborés par le service ou les services compétents au ministère des Finances. Nalimane, à 7h16 direction Schleff, où le cimetière du groupe JK obtient un certificat de conformité aux normes européennes pour un nouveau produit. La cimenterie donc de JK a obtenu euh, un nouveau euh, donc une certification. Pour le ciment Portland, pour béton à haute performance avec une résistance rapide à court terme, c'est un produit destiné aux zones à climat froid. La capacité de production de la société est de 4,2 millions de tonnes de ciment et de 3,6 millions de tonnes de clinker. Cette certification permettra au groupe JK de renforcer sa présence sur le continent européen en exportant sa production de ciment. Dernière information pour clôturer ou pour clore ce tour d'horizon. Nationale, c'est Sonatra qui a un nouveau PDG. Rachid Hachichi a été installé hier dans ses fonctions en remplacement à Toufir Khakkar. Un changement qui vient donc insuffler un, nouveau, un nouvel élan au groupe, selon le ministre de l'Énergie. Le nouveau PDG de Sonatra s'est engagé à fournir tous les efforts pour développer la production et s'est également engagé à promouvoir les partenariats, notamment pour développer les énergies renouvelables. On continue avec l'énergie qui domine l'actualité économique à l'étranger. Et l'OPEP qui reste optimiste sur la la demande de pétrole qui est encore assez résistante cette année, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du cartel, qui prévoit une croissance de la demande de plus de 2,3 millions de barils par jour. Hate reit a cependant alerté sur les sous-investissements dans le secteur énergétique. Il rappelle que les investissements dans le secteur étaient importants pour la sécurité énergétique, vu que le monde est à court de capacité de réserve. Et on termine avec cette information qui concerne Total Energy, le groupe français visé par une plainte au pénal pour des projets pétroliers en Tanzanie et en Ouganda, quatre associations de défense de l'environnement déposaient plainte contre le groupe euh, pour ces projets donc, dans ces deux pays et pour des faits euh, s'appartenant à un climaticide ou un crime contre le climat. Une plainte qui vise plusieurs infractions, notamment abstention de combattre un sinistre, atteinte involontaire à l'intégrité de la personne, destruction, dégradation ou euh, encore détérioration n'a bien appartenu. Appartenant à autrui, en plus d'homicides involontaire, Les plaignants accusent le groupe de ne mettre en place aucune action permettant de lutter contre le sinistre qui frappe déjà la moitié de la population mondiale. Merci beaucoup, Naliman. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale, 7h18.